Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire le petit guide F1 2002 sorti par Auto Hebdo le 20 février 2002, hein, c'est marqué dessus. Donc, si vous êtes passé sur Discord il y a quelques temps, j'avais récupéré énormément d'Auto Hebdo. Du coup, j'en ai gardé que quelques-uns, j'ai gardé des guides F1. Donc cette fois-ci, on va faire celui de 2002. Donc les numéros spéciaux, hein. Il faut savoir qu'à l'époque, Internet, si vous ne l'aviez pas, il fallait passer par les bouquins. Et donc, alors on va passer quelques pages, hein, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire toutes les pages, puisqu'on va surtout s'orienter sur la partie F1. Donc on aura droit au guide technique de la saison 2002, les enjeux, le règlement, etc. Et en bas, vous voyez déjà les dessins de Fiesman. Ça, c'était vraiment trop bien dans les auto-hebdo. On avait à chaque fois des petites illustrations. Et dans ces illustrations, ben, on avait des choses un petit peu humoristiques. Par exemple, ça manque de bleu là, ben, vous aurez peut-être compris, 2002, c'est qu'il n'y a pas Prost en F1, donc ben voilà, ça manque de bleu. Allez, c'est parti. Alors, la sélection de la semaine, ça c'est du NASCAR, donc on s'en fiche un peu. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va voir parfois des choses un peu intéressantes. Par exemple, on apprend que la F1 2001 en Australie, c'est-à-dire qu'en gros, ben, Ferrari n'alignera pas la nouvelle F1 2002 au Grand Prix d'Australie, mais bien plus tard. Et vous allez voir que ça changera pas grand-chose, hein, parce que Ferrari sera quand même au point avec la F1 de 2001. Qui serait une F1 2001 un petit peu améliorée. Alors après, on a quelques petites informations. Le retour de Craig Pollock, par exemple, la piste Jaguar ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Michelin, déjà la polémique. Alors, le manufacturier Clermontois aurait en effet mis sur piste, à l'occasion des derniers essais privés de Valence, un type de pneu rendu particulièrement performant grâce au dessin asymétrique des rainures. Voilà. Alors, le Prost Grand Prix des Bleus à Rocazé. Pour Johan Villadelprat et Henri Durand, je sais pas que vous voyez bien, hein, parce que j'ai galéré à voir la caméra. La fin brutale de Prost Grand Prix n'aura sans doute rien de catastrophique. Alors, le premier, il devrait aller chez Toyota, apparemment, et le second, chez Jaguar. L'idéal serait, quoi qu'il en soit, ainsi que. Quoi qu'il en soit, ainsi de tous les mécaniciens et techniciens libérés par Prost Grand Prix. Alors, si vous êtes à la recherche de quelques loups de mer ayant affronté toutes les tempêtes, avec courage et abnégation, n'hésitez pas, contactez-nous au journal, nous serons les plus rapides des postiers. Alors là, il y a une petite photo ici de la Jordan de 2002, dans sa version de test. Alors, les performances escomptées n'est pas encore au rendez-vous, et le capot avant a déjà reçu des modifications. Donc là, on est au mois de février, donc on est à peine juste un mois avant. Et les chronos de la semaine, donc on se rend compte que c'est Jenson Button qui a fait le meilleur temps devant Yann O'Toole, donc les deux Renault. Ensuite, on a la Rose de Frentzen qui est troisième. Et Takuma Sato, la Solar Power Jordan, est quatrième. Ça, c'est pour les essais de Barcelone. À Valence, c'est Raikkonen qui est en tête devant l'autre McLaren de Alexander Wurz, qui était pilote d'essai à ce moment-là. Et Pedro de la Rosa. Et Eddie Irvine. Donc, c'était à l'époque, évidemment, on pouvait faire les essais où on voulait, sans forcément trop de limites de limites kilométriques. Et évidemment, au Fiorano, bah, qu'est-ce qu'on avait? On avait Ferrari et Mugello, on avait encore Ferrari, qui était devant les deux Sauber. Alors, tiens, il y a un truc sur Arrows et donc Diniz. Tom Walkinshaw n'a pas de chance. Non seulement il se fait attaquer de toutes parts, mais il perd les procès qu'il intente aux autres. Ainsi, pour celui qui l'opposait à Pedro Diniz depuis des lustres, fin 98, le Brésilien s'en est allé sans crier gare pour rejoindre Sauber, lui et ses précieux sponsors. Walkinshaw a hurlé à la rupture de contrat. Diniz a répliqué en disant « ce contrat non respecté, manquant de compétitivité de la voiture ». Le pilote avait gagné en première instance, il récidive en appel. Arrows devra payer 800 000 dollars. Ou alors aller en cassation. C'est qu'en 2002, en plus, ça va être la fin d'Arrosa au passage, il faudra qu'on fasse un parlant F1 là-dessus. Et là, il parle même de Jean Alési de retour en F1. L'hypothèse avait été évoquée sur le circuit de Barcelone à l'occasion de la présentation officielle de la McLaren. Le doute est désormais levé. Jean Alési reprendra bien les services en F1, mais pour assurer quelques essais uniquement, il aurait moulé son siège et il devrait prendre le volant d'une MP4 16B dans les premiers jours de mars. Et Verstappen qui attaque Arrosa d'ailleurs, qui s'est fait virer par Tom Walkinshaw et pour se remplacer par Frentzen. Donc ça fait encore un procès contre Arrows, décidément. Allez, on va passer un petit peu à la suite parce que là, il faut que ça aille un peu vite. On n'a pas 3 heures non plus. Alors, les 24 heures du Mans.
Alors, FF3000, Thomas Senge le plus rapide. Alors, c'est Thomas Senge, il avait fait la saison 2001, enfin une partie de la saison de 2001 en remplaçant Mazzacane. Et on a. Là, ça parle de Montero, qui rejoint Renault F1. La semaine dernière, lors de l'annonce de son programme 2002, Thiago Montero a dévoilé qu'il rejoignait le Renault F1 Driver Développement. Alors, c'est marrant parce que nous, on n'est pas en 2002, donc on sait exactement ce qui va pas se passer derrière. Et donc, du coup, Montero, il va arriver en F1 en 2005. Il me semble, moi, que je dis pas de bêtises. Non, en 2004. 2004 en remplaçant Timo Glock, normalement. Alors, je voulais de changer voilà, de changer de partie, sinon vous voyez pas tout. Donc, ça, c'est pour les CF3000. Oui, parce qu'il n'y a pas encore le GP2. Hein. Et l'F3000 a encore pas mal d'équipes à ce moment-là. Alors que 2003 et 2004, ça va être la fin. Allez, on passe à la suite. Personnalise ton portable, répondeur, choisis ton annonce en appelant le 0899. Alors ça, franchement, si ça, c'était pas un truc de l'époque. On n'en a quasiment plus maintenant. Alors ça aussi, c'est assez mythique. On le voit à la télévision. Regardez, il y a Automoto, 24 février. Au sommaire, les derniers préparatifs des écuries, une semaine avant Melbourne, actualité moto, etc. C'est à l'époque où Automoto parlait beaucoup de F1. On a aussi Eurosport, on a Monte Carlo. Ensuite, on a encore personnalisé ton mobile. Alors là, je passe ce qui n'a pas rapport à la F1, évidemment, si on en a pour 15 ans. Voilà. Oh, on peut suivre la F1 en direct sur votre mobile. Alors, ceux qui ont connu F1 Racing, c'était aussi un site internet. C'était quasiment le site le plus consulté à l'époque pour la F1. Et on pouvait donc suivre les chronos. Enfin, il y avait un abonnement, etc. On avait des photos en haute qualité. Enfin, pour ceux qui avaient internet, c'était vraiment bien. Avec le vieux Nokia 3210. Et le fameux Donghi de 2001 de la F1. Alors, prêt pour une nouvelle campagne, alors allons-y, cap sur Melbourne et le championnat du monde de Formule 1 2002. Un avant-goût de ce qui nous attend cette saison. Michael Schumacher prêt pour un cinquième titre. Williams, BMW et McLaren Mercedes affûtés pour mettre à mal la suprématie de Ferrari. Seul ombre au tableau, l'absence des couleurs bleues de Prost Grand Prix, à qui nous dédions ce guide 2002. Alors, Michael Schumacher et la Scuderia Ferrari partent grandissime favoris en cette saison 2002. On peut même s'offrir le luxe de débuter avec la monoplace 2001. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, il y a un truc intéressant. On peut voir en bas, il parle de radiocommande, le pilote soulagé. Ils expliquent qu'en libéralisant l'électronique au printemps 2001, la FIA a satisfait les exigences des constructeurs qui voyaient désormais à travers la F1 une discipline à la remorque de la voiture de série. Elle a surtout imposé des nouvelles occupations aux pilotes, dont le volant a peu à peu pris des allures de cockpit d'Airbus. Et ça c'est vrai. Alors, la logique voulait alors que l'on fasse marche arrière, soit que l'on confie une partie des manipulations à un ingénieur directement des stands. Ainsi, les yeux rivés sur les moniteurs de la télémétrie, donc au courant de tout, du fonctionnement moteur comme des comportements du châssis, ce copilote fantôme pourra agir sur quelques commandes spécifiques. Jusqu'à présent, les pilotes disposaient grosso modo d'une palette de 5 options différentes par configuration moteur ou transmission. Désormais, l'ingénieur copilote pourra jouer sur une centaine, voire davantage d'options. La finesse des réglages sera donc exceptionnelle. Alors du coup, ils disent pilote déresponsabilisé, point d'interrogation, sans doute un peu plus, sans doute un peu, pardon, mais pilote soulagé, à condition que cette escalade ne donne pas vie à quelques apprentis sorciers. On parle maintenant des pilotes qui sont commandés par les ingénieurs. Bah déjà en 2002, on en parlait. Hein. Donc, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans cette page-là? Je sais pas que vous voyez bien. Ouais, je pense. Quand je vous dis que j'ai galéré avec les caméras, c'est un truc de fou. Cette année, Williams devra partager ses pneus avec McLaren. Et oui, parce qu'en 2001, McLaren était encore chez Bridgestone. Alors qu'en 2002, ils sont passés chez Michelin. Donc on va passer à la suite. Alors, donc on a le guide 2002, donc on a les pilotes, donc les départs des pilotes. Donc en 2001, on avait Jean Alési qui s'en allait. On avait Mika Hakkinen, Luciano Burti, Fernando Alonso, Jos Verstappen, Tarso Marquez, Thomas Senge, Gaston Mazzacane, Ricardo Zonta et Thomas Scheckter, qui était pilote d'essai Jaguar. Évidemment, il n'a pas roulé en F1. Ne pas confondre avec... Ben, je crois que c'était Jean-Louis... Donc, Scheckter, Schlesser, hein. Pilote Jaguar. Alors, ensuite, on a les transferts. Donc, on a Kimi Räikkönen qui passe chez McLaren pour la saison 2002. On a Fisichella qui passe de Benetton à Jordan.
et Trulli qui passe la journée à Renault, qui devient donc Renault entièrement, hein, pas Benetton, et Frentzen qui passe de Pro Grand Prix à Rose. On a les débutants, qui maintenant sont plutôt vieux, hein. On a Massa, on a Weber, on a Sato et on a Alan McNish, qui déjà était assez âgé à l'époque, Alan McNish. Et Mark Webber, voilà, qui va rejoindre Minardi, Felipe Massa qui va chez Sauber, et le retour de Mika Salo, puisqu'il y a la Toyota qui va démarrer en Formule 1. Alors on va passer un petit peu la suite. Donc ça c'est le règlement technique et sportif. Donc on peut voir ici les changements qu'il y aura pour la saison 2002 par rapport à celle de 2001. Donc apparemment il n'y a pas grand chose, à part le montage du feu arrière qui est 25 mm plus haut. Le fait que maintenant, alors ça vous, c'est classique maintenant, mais on s'en rend compte pas toujours. Mais là où la caméra, en fait, la couleur est différente entre le pilote 1 et le pilote 2. Alors, chaque écurie a maintenant droit à un maximum de 4 voitures par week-end. On en est vachement loin. Maintenant, on a droit à une voiture par pilote, puis point barre, hein, il n'y a pas de mulet. Et il y a une attache sur les roues maintenant qui doit supporter une résistance de 64 Nm. Kilonewton, je pense, soit 20% de plus par rapport à la saison 2001. Au niveau du poids, est-ce qu'ils en parlent? Non, ils ne parlent pas du poids. Prise d'air moteur, d'accord. Bah oui, largeur des miroirs, elles vont augmenter. Donc le minimum de largeur des miroirs, c'est 120 mm. Alors on est vraiment dans le côté technique pur. Et donc elles vont s'élargir à 150 mm au lieu de 120, donc 30 mm de plus. Et par contre, la hauteur, 33% d'augmentation. Ok. Une petite pite pour le Grand Prix de France 2002. Alors juste pour ceux qui sont sûrement à la Manicourt à l'époque, un pack 3 jours, c'est combien? Entre 110€ et 302€. Bah ça va, tribune C, tribune L. Ouais, ça m'a l'air quand même moins cher que maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On va passer à la suite. Donc là, ils passent de la standardisation des Formule 1. Donc la boîte de vitesse, c'est une boîte semi-automatique séquentielle à contrôle électronique avec 7 rapports plus une marche arrière qui est obligatoire. Ensuite, on a la suspension à l'avant et à l'arrière, elles sont à double triangulation avec poussant, basculeur et barre de torsion laissant office de ressort. À part Williams qui a conservé l'ensemble ressort amortisseur. Le châssis monocoque, donc ça c'est du classique pour le moment. Et la hauteur maximale qui est de 950 mm. Et la largeur maximale, avec la prise de largeur sur les pneus, est de 1800 mm, donc 1,80 m. En ce qui concerne le moteur, ben, on a l'obligation d'utiliser des V10 en V, du coup. Parce que V10. Et on peut avoir des variables de 72 degrés à 111 degrés comme le Renault. C'était d'ailleurs une particularité du moteur Renault, c'est celui qui avait l'angle le plus ouvert. D'ailleurs, on apprend que Ferrari, BMW, Toyota, c'est 90 degrés et que le Honda est à 94 degrés. Avec une cylindrée maximale de 3000, donc des 3 litres. Et les puissances se situaient à l'époque de 800 à 860 chevaux, avec des moteurs qui allaient jusqu'à 18 300 tours minutes, ce qui est quand même assez énorme. Des 2002, c'est quand même pas mal. Le record étant en 2004, normalement. On arrivait à plus de 20 000. Et donc deux fournisseurs pneumatiques ici avec Michelin et Bridgestone. Ça aussi, c'est ce qui les différencie. Alors, donc là, c'est toute la liste des pilotes de la saison 2002. Que d'ailleurs, nous allons passer puisque nous allons voir maintenant équipe par équipe. Et donc, bah, Ferrari, évidemment, après une saison 2001 bien dominée par eux. On a donc Michael Schumacher avec, bah, à ce moment-là, il était triple champion du monde, enfin quadruple même, avec une cote au taquet, ça m'étonne même pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on attend de plus? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les plus et les moins de l'époque, surtout que nous, on connaît la suite de la saison, donc on sait ce qui va se passer. Ils disent moyens techniques et financiers, ça c'est du plus. Michael Schumacher, un cas à part, bah, en même temps, oui, hein, c'était le meilleur pilote quasiment à l'époque. Structure et organisation parfaite. Ah ben quand on a Jean-Todd Rosbrun déjà, ça aide pas mal. Par contre, là, le petit moins, c'est la monoplace 2002 qui serait peut-être trop originale. Bridgestone qui est un petit peu conservateur et Rubens Barrichello qui doit sortir de son ghetto.
Je sais pas s'ils entendent par ghetto, mais bon, en gros, pour moi, qu'ils doivent sortir les doigts. Donc, il a une cote que de 4 sur 6. On a en pilote essai Luciano Borti et Luca Badoar, donc deux pilotes d'essai. Et donc, Luciano Borti qui était ex-pilote Jaguar et Prost Grand Prix. Et Barrichello, à ce moment-là, pour le moment, il est emmené à une seule victoire, 3 pôles et 3 meilleurs tours. Oui, donc logiquement, logiquement, ils disent que l'équipe est au plus haut niveau. J'essaie de voir s'il y a un passage intéressant dessus. Ah oui, l'autre atout de Ferrari cette saison sera d'être désormais la seule équipe de pointe chaussée en Bridgestone. Une collaboration renforcée entre la Skoda et le manufacturier japonais qui sous-entend des gommes taillées sur mesure pour la F1 2002. C'est vrai que ça leur a fait. Ça fait du bien d'être les seuls. Parce que suivant les circuits, en fait, ils s'en sortaient vachement bien justement par rapport au type de gomme. Et donc là, on arrive chez McLaren, et oui, deuxième force en 2002, hein, on n'est plus en 2019, ou même en 2015, ou 2014, ou 2000. Enfin bref. Donc, on avait qui? On avait David Coulthard, et on avait Kimi Räikkönen qui rejoint l'équipe anglaise. Et les hommes, et ça, c'est ce qui fait que, d'une certaine manière, McLaren n'a pas eu sa superbe, c'est qu'il n'y a plus Adrian Newey, qui avait fait le retour des succès de McLaren en 98. On a Robert Haug aussi, directeur Mercedes Motorsport. Et on avait Ron Dennis, donc c'était le trio presque gagnant, enfin en tout cas épique de McLaren. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur McLaren? Ça, ça va être intéressant. Ils disent... Mercedes, partenaire technique et actionnaire, donc effectivement ça aide beaucoup hein, quand on voit maintenant Mercedes quand ils ont tout, hein, châssis, moteur, bah, ça fait un assemblage plutôt gagnant. Excellent staff technique, a quitté Bridgestone, trop accès Ferrari, donc là ils vont être avec Williams d'une certaine manière, avec les pneus Michelin. Doit apprendre les Michelin, mais voilà, c'est, oui, effectivement. Et Häkkinen parti, tandem pilote risqué. Donc effectivement, Häkkinen étant parti, faut voir si Räikkönen peut être au niveau d'Häkkinen, voire plus. Et enfin, la fiabilité moteur 2002 non assurée. Et de ce que j'avais lu, en fait, à partir de 2001 ou 2002, il y a un élément dans le carburant qui est interdit. Alors, certains pourront me dire quoi. Mais ça a fait qu'en fait, le moteur utilisé par les McLaren était beaucoup moins fiable. C'est quelque chose que j'ai lu quelque part. Si quelqu'un a des infos là-dessus, ça me va. Et donc une petite cote de 4 pour Kimi Räikkönen, alors qu'on a une cote de 5 pour David Coulthard, avec un grand titre en bas, là, revenir au sommet, depuis qu'ils n'ont plus été champions en 99. Voilà. Alors, McLaren et Mercedes fondent leur espoir de reconquête. Pour sa part, le constructeur allemand s'est concentré sur un nouveau V10, plus léger, plus compact et plus puissant. Que dire de mieux? Un partenariat avec Michelin voulu par l'écurie, car jugé plus bénéfique que de poursuivre avec Bridgestone, accusé d'un certain manque de transparence, comprenait de favoriser Ferrari. Alors, l'équipe de Woking aborde 2002 avec de nouveaux arguments, des ambitions plus affirmées que jamais. Il s'agira non seulement de tenter de déloger la Skoda derrière, mais également de contrer la montée en puissance de l'autre duo anglo-germanique Williams-BMW. Alors, on va la faire très vite. 2002 sera une mauvaise saison pour McLaren, ils n'y arriveront pas. Voilà, tout simplement. Räikkönen aurait pu gagner le Grand Prix de France, malheureusement il a glissé sur une plaque d'huile laissée par je ne sais quel pilote à Adelaide. Du coup, a laissé passer Schumacher. Mais hormis ça, Coulthard a fait quelques étincelles, je crois que c'était à Monaco. Et sur une autre course, mais c'est tout. Hein. Et Wurz en pilote d'essai, d'ailleurs, je crois que j'en ai pas parlé. On va passer donc chez Williams maintenant, qui est l'équipe montante en 2002, hein, parce que la saison 2001 a été une très très bonne saison. Toujours avec le même duo de pilotes, donc on a Ralf Schumacher d'un côté, qui est marqué d'une cote de 5 sur 6, qui est quand même plutôt bien. Et Pablo Montoya, pareil, 5 sur 6 qu'on a là, ici. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent sur Williams? Pour le titre, carrément. Donc, on imagine en 2002 que Williams va se battre pour remporter le championnat du monde. Et ils disent les grandes équipes ne meurent jamais. Alors attention, faut pas dire ça à Lotus, Tyrrell, peut-être un jour McLaren ou Williams, parce que ben justement Williams là, actuellement, là où je vous parle en 2019, c'est pas sûr qu'il meure pas un jour.
Alors, les creux de vagues ne durent jamais très longtemps pour l'écurie Williams. Il y eut dans le passé un après Honda, un après Renault, mais à chaque fois, les hommes de Groove ont toujours su rebondir avec de bonnes armes. Un programme entamé de concerts avec BMW depuis maintenant 4 saisons a porté les fruits l'an passé avec 4 victoires et autant de pole positions. Des résultats dont beaucoup d'autres équipes feraient leur chou gras. Mais quand on possède la culture de Williams, on ne peut se satisfaire d'un tel accessit. En 2001, les succès n'ont pas suffi à effacer les carences constatées par la FW23, dont l'aérodynamique laissait quelque peu à désirer sur certains tracés spécifiques, tandis que leur fiabilité est loin d'être exempte de tout reproche. Alors en 2002, enfin ça aussi, on connaît la suite, c'est une très bonne saison aussi. Malheureusement, ils n'arriveront pas parce que Ferrari sera encore un cran au-dessus. Et Ferrari va quasiment tout remporter. Mais ils avaient quand même la deuxième meilleure voiture de la saison 2002 et avaient réussi quand même pas mal de fois à faire statu quo avec Ferrari. Et là, on se rend compte qu'on a Marc Genet en pilote d'essai. Marc Genet qui était donc pilote Minardi en 99 et en 2000. Et en 2001, bah, je crois qu'il était toujours pilote, hein, il me semble, chez Williams. Je crois que ça fait 2 ans qu'il est pilote essayeur. Avec Antonio Pizzonia, que l'on retrouvera à un moment en piloter la Williams, je crois que c'est en 2004 où il va remplacer Ralf Schumacher qui va avoir un accident. Et donc, quels sont les plus de l'écurie Williams? Bah, c'est le partenariat total de BMW, et c'est ce qui manque actuellement avec Williams, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de gros partenariats. Très solide duo de pilotes, ça c'est clair. La poursuite avec Michelin. Et par contre, ils ont perdu Gavin Fisher, donc le mec de l'aéro. La rivalité entre les pilotes. Alors ça, c'est super bien dit parce que le nombre de fois où les deux pilotes vont avoir des problèmes en piste. Et en nouvelle machine qui cache son jeu. Ça, on sait pas. Ils ont mis en moins, mais je pense qu'ils auraient pu le mettre en neutre parce que c'est une nouvelle machine qui s'en sortira bien pour la saison 2002. On a toujours les mêmes, hein, Frank Williams et Patrick Head. Alors ça, c'est important aussi parce que Patrick Head, vous avez vu cette année, il est revenu en tant que pseudo-consultant. Et il y a le numéro de téléphone qui sonne. C'est pas rare. Et on a Mario Theisen, directeur BMW Motorsport. Et franchement, c'est le début d'une bonne aventure avec BMW, même si ça n'a pas duré très longtemps, hein, puisque vous le savez qu'en 2006, BMW a fondé son équipe elle-même. On passe à Sauber. Alors vous allez me dire, waouh, Sauber déjà, la quatrième force du plateau. Bah oui, tout simplement parce qu'en 2001, bah, Sauber a fait une bonne saison. La meilleure saison, si ce n'est de sa carrière, avec 2012. Et on a le jeune Nick Heidfeld qui entame sa troisième saison de Formule 1 après Prost et la deuxième saison chez Sauber. Il a 4 sur 5, ce qui est plutôt bien. Alors je montre un petit peu la Sauber, qui ressemble beaucoup à celle de 2001. Hein. Je crois que je me demande même s'ils ont fait le changement par rapport à 2001, parce qu'elle ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Et on a Felipe Massa qui débute, voilà, avec une cote de 3. Alors évidemment, difficile de savoir ce que va faire Massa à cette époque. Surtout qu'en plus, quand on connaît la suite, en 2003, il sera plus en F1 et puis il va revenir en 2004. Alors, on va voir ce qu'ils disent sur eux quand même, parce que ça m'intéresse. Lassé par deux campagnes, 99 et 2000, sans grand résultat, Peter Sauber s'était livré l'an dernier à une importante restructuration de son équipe. Renouvellement des cadres techniques, mais également des pilotes, en recrutant Nick Heidfeld. Lors d'une première année d'expérience de F1 chèrement acquise au sein de Prost Grand Prix, ainsi que Kimi Räikkönen, tout juste crédité de 33 départs en course auto. Le patron helvétique misait sur la jeunesse et donnait une nouvelle image de son écurie, pari risqué aux yeux de certains, mais pari qui s'est rapidement avéré payant. En témoigne la troisième place acquise par le jeune Allemand au Brésil, troisième rendez-vous de la saison. Son équipe ne fut jamais en reste. Et se fit tellement remarquer, non, son équipier, pardon, ne fut jamais en reste et se fit tellement remarquer que McLaren n'hésita pas longtemps pour lui offrir la place de Mika Hakkinen. Oui, carrément. Et au final, l'écurie suisse s'installe définitivement à la quatrième place du championnat, de loin son meilleur résultat depuis ses débuts de F1 en 1993. Et ils vont essayer de confirmer en 2002. Ça, pareil, je vous ne spoil pas beaucoup, ça ne marchera pas. Même si la saison 2002 sera correcte, ils ne termineront pas quatrième au championnat. La C21 est totalement nouvelle, tout en restant dans la lignée de sa devancière. Elle reçoit un moteur de choix, puisqu'il s'agit du moteur V10 Ferrari qui a conduit Michael Schumacher au titre mondial l'an dernier. Souvent, bah oui, Sauber Petronas, c'était juste un Ferrari au budget qui avait en moyenne un an
un an par rapport au... un an de retard par rapport aux autres. Alors, à l'époque des turbos, c'est impensable. Hein, on a vu ce que ça donnait avec Sauber, par exemple, justement, en 2015 et 2016. Mais à l'époque, c'était pas encore trop grave. Parce que c'était des moteurs qui évoluaient quand même encore un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, on a toujours Peter Sauber, Willy Rampft et Jackie Eckler, je sais pas comment on le prononce, le directeur d'exploitation. Et donc voilà, Ferrari version 2001 et des pneus Bridgestone. Alors, budget confortable, équipe stable, moteur Ferrari version 2001, Heidfeld excellent, Massa plein d'avenir. Ça, c'est bien dit, c'est bien trouvé, parce que franchement, oui, il y a pas mal d'avenir. Écurie Petronas dépendante, Massa doit calmer ses ardeurs, écurie privée en bout de démonstration. Alors, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Si quelqu'un veut m'expliquer cette ligne-là, écurie privée en bout de démonstration. Meilleure position championnat 4e en 2001 et classement 2001 4e avec 21 points. Malheureusement, ça va pas être très très bien en 2002. Enfin, ça va pas être mieux en 2002. Et là, on arrive chez Jordan. Alors, Jordan, on avait fait un parlant F1 dessus. Donc, je vais sûrement me répéter. Mais la saison 2002 de Jordan, c'est une saison qui coupe avec les autres, puisque l'équipe va retomber dans le ventre mou du peloton. Et comme vous pouvez le voir là, il n'y a pas de sponsor. Alors qu'en fait, si, il y en aura. Il y aura DHL et quelques commanditaires habituels, mais on sent que c'est le début de la fin. Et donc, on a Physique là. Que voilà. Alors, j'espère que c'est pas trop flou. Ouais, non, ça devrait. Donc une cote de 4 sur 6, et on a le nouveau japonais en Formule 1, Takuma Sato, qui lui a une cote de 2. Alors dès le départ, il part pas très bien, en tout cas pour Auto Hebdo. On a donc toujours les mêmes, hein, Eddie Jordan, directeur général. Alors je sais pas comment le prononcer, on va dire Hamidi, et Gary Anderson, le directeur du management. Alors, revirement de fortune, ça c'est le titre principal de cette écurie. Alors, ce qui est assez énorme, je suis en train de lire un truc, mais c'est en train de me tuer en vrai. On imaginait l'écurie chère à Eddie Jordan bénéficier d'un budget rondelé pour plusieurs saisons. D'autant que l'Irlandais avait obtenu depuis l'année dernière la fourniture officielle du Vialli Sonda. Toutefois, c'était sans compter récemment sur des partenaires principaux, révisant à la baisse d'environ la moitié, selon certaines rumeurs, leur participation financière à l'aventure. C'est davantage à la mauvaise conjoncture économique que l'on doit sans doute expliquer ces revirements de fortune. Et oui, fameux en septembre 2001 et tout ce qui s'ensuit. Alors, ce qui est assez drôle par rapport à ce que je lis là, c'est que si vous connaissez le site Zone F1, c'est un site qui parle de la F1 depuis très vieux maintenant, je crois 98 ou 99. Si vous allez dans la partie écurie pilote, donc vous avez de la saison 96 à maintenant, si vous lisez le petit speech, bah c'est exactement le même. Donc en fait, ils ne sont pas fichés. De cette manière, ils ne sont pas obligés. L'an dernier, Jordan s'est classé au 5e rang du championnat constructeur devant Barr, qui, outre le fait de bénéficier également du V10 nippon officiel, entretient un partenariat encore plus étroit avec Honda. Il s'en fallut de peu que l'écurie irlandaise ne s'octroie la 4e place obtenue finalement par Sauber. À de nombreuses reprises, en effet, Yann Trulli s'est trouvé en position de marquer des points. Malheureusement, sa mécanique a trop souvent trahi à quelques encablures de ligne d'arrivée. Oui, parce qu'en 2001, malheureusement, la Jordan est comme en 2000. On a le même problème, c'est-à-dire que la voiture est parfois très rapide, mais pas fiable. Donc, qu'est-ce qu'ils disent dans les plus et dans les moins? On a le moteur Honda d'usine, c'est vrai, c'est un bon point. Monoplace au design original, attention, je spoil encore une fois, qui ne marchera pas. Arrivée de Giancarlo Fisichella. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. De toute façon, il va porter toute l'équipe pendant toute la saison. Hein. Et le problème, évidemment, ça va être les soucis budgétaires, le staff technique instable. Quand tout va mal, tout le monde quitte le navire. Et un second pilote rapide, mais inexpérimenté. Pour l'instant, ils sont assez justes dans le constat, puisque bah, c'est exactement ce qui va poser problème à Jordan pendant la saison. On a Honda. Et donc, en parlant d'Honda, on va aller chez Barr maintenant. Donc deuxième équipe motorisée par le constructeur Nippon. On a Jacques Villeneuve avec une cote de 4 sur 6 et on a Olivier Panis avec une cote de plus élevée que Villeneuve. Sans déconner. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Bon, on va aller à les explications assez directement.
Alors, les plus et les moins, reprise en main patronale énergique. Donc c'est David Richards qui reprend la main, avant c'était Craig Pollock. Une équipe pilote performante. C'est plutôt une bonne équipe, effectivement, à ce niveau-là. Hein, Villeneuve, Panis, ça va. Châssis 2002, on a de progrès. C'est ce qu'on pense. Alors après, ça c'est un peu drôle. Ils disent, bon, Jacques, on se crache dans les mains. Nouveau moteur pas au top. Et David Richards est-il le patron idéal? Alors David Richards, c'est le mec de ProDrive. Donc, je sais pas pourquoi il dit ça. Parce que ProDrive a quand même eu pas mal de succès hein, dans les séries où ils sont allés. Donc, bon, c'est un peu bizarre. Donc, bah, ça va être une saison dans la limite 2001. Hein. Ils vont pas marquer plus de points, moins de points. Ça va être une saison assez mauvaise. Le moteur Honda sera pas fiable non plus. Donc, le constat sera le même. Alors, voir s'ils disent des choses intéressantes dans le texte. De gros espoirs reposent sur le nouveau V10 japonais, mais également sur les changements internes effectués par Craig Pollock avant son départ. À l'instar du recrutement de l'aérodynamicien Geoff Willis sous contrat Williams jusqu'à fin février dernier, mais qui a certainement d'ores et déjà réfléchi à quelques évolutions de la barre 004. Oui, à partir de 2003, ça va être un peu mieux, et 2004, ça va être le meilleur en fait de barre Honda. Et du coup, on arrive chez Renault. Renault, donc, qui remplace Benetton. Voilà. Et donc, on aura Yarno Trulli, donc qui est parti de Jordan vers Renault, et Jenson Button, qui était déjà chez Renault et qui va rester. Avec une cote de 3, hein. Il avait une cote, je pense, beaucoup plus élevée quand il est arrivé en F1. Et Yarno Trulli, une cote de 5 sur 6. Alors, je suis sûr qu'ils vont parler. Eh oui, bon, ils parlent de la période 77-85. Les jeunes s'étaient lancés à l'écran dans cette fabuleuse aventure en réussissant la gageure d'imposer le mode des moteurs turbo-compressés. Exactement. Mais après 9 saisons faites d'eau et de bas, Renault, handicapé par la hauteur de son système, assumant la construction de ses châssis et ses moteurs, avait fini par lâcher prise. Après, ils parlent de la période de Renault en tant que motoriste. Avec la période de succès de Williams entre 92 et 97. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont dire sur Renault? Alors, regardons ça. Donc, Flavio Briatore, c'est les hommes. Patrick Fauré, président Renault Sport. Et Jean-Jacques Isse, je ne le connais pas. Et le pilote essayeur, c'est Fernando Alonso, qui sera d'ailleurs, enfin, qui était pilote Minardi en 2001. Donc du coup les points forts pour eux, c'est quoi? C'est l'équipe technique renforcée, moteur en évolution permanente, ben, il vaut mieux hein, parce que vu la catastrophe que ça a été en 2001. Renault engage responsabilité et image. Oui donc en gros, il va falloir sortir les doigts. Et d'ailleurs en parlant de ça, revenons en 2019, il faudrait peut-être qu'ils pensent à ça Renault, parce que 2019, c'est ça fait déjà 3 ans maintenant qu'ils sont revenus. Il va falloir commencer à augmenter les performances hein, pour le team français. Enfin. Français, anglais. Et ensuite, dans les points négatifs, donc Button, c'est une interrogation. C'est vrai, on peut se poser la question. La R202 n'est dépassée, point interrogation. Et un pilote français, s'il vous plaît. Ça, c'est toujours. Ils le mettent à chaque fois. Ils veulent un pilote français dans une voiture française. Il faut dire qu'on est dans une période où il n'y a plus que Panis, hein, en pilote français, à l'époque de l'année 2002. Et enfin, on arrive donc chez Jaguar. La patte de velours. Enfin, à patte de velours. Donc, on a Eddie Irvine qui va faire sa dernière saison en Formule 1. Il y a tout qui se casse la gueule, c'est magnifique. Alors, attendez. Je vais tout remettre. On va tout remettre. Hop. Vous inquiétez pas. Restez là. Voilà, je vais repositionner ça. Tiens, tout qui s'est cassé la gueule, quoi. Dites-moi que ça va tenir. Ouais, c'est bon, on y est. Voilà. Ça sert à rien que je fasse ça, parce que je peux mettre jusque là. Hop. J'espère que ça va pas retomber. Oh, la flip. Ouais, nickel, on est bon. Alors, je vais juste mettre le. Voilà, un peu comme ça. Bon, elle en croise les doigts. Donc, je disais. On a Eddie Irvine et on a Pedro de la Rosa qui se retrouve donc chez Jaguar pour la saison 2002.
On a Niki Lauda en directeur général. Et Gunther Steiner, ça va vous faire penser à quelqu'un, c'est celui qui dirige Haas à l'heure actuelle. Et Niki Lauda, bah, qui, du coup, qui est allé chez Mercedes, qu'on ne voit plus hein, maintenant sur les circuits depuis qu'il a eu son changement de poumon. Alors, je vous retrouve dans 2 secondes. Et donc, petite interlude, désolé. Et donc, oui, donc, vous parlez de Niki Lauda qui, du coup, était plus trop sur les circuits en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur Jaguar? Bobby Rahal remercié au mois de septembre dernier. Ford a donné les pleins pouvoirs à Niki Lauda. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de marge. Ouais, on en est là. Les pleins pouvoirs à Niki Lauda pour emmener l'écurie Jaguar dans le haut du tableau. Toujours est-il que le triple champion du monde tient à rester prudent quant à la capacité de son équipe à menacer dès cette saison les trois références que sont Ferrari, McLaren et Williams. Il a bien raison, parce que la saison 2002, ça va être une saison de merde pour Jaguar. Je crois que ça va être la pire saison quasiment. D'ailleurs, au Grand Prix d'Australie, dans leur début, ils vont finir ultra loin. Ils ont juste eu la chance qu'il y ait un énorme carambolage, mais sinon, ils étaient complètement à la rue. Alors, l'objectif sera plutôt de s'avérer constamment en mesure de se frotter à Renault, Sauber, Jordan et Barr pour envisager de se classer dans le top 5 final. Attention, gros spoil, non, ça ne marchera pas. Alors, les enseignements de l'année dernière laissent supposer que le défaut de la monoplace R2, essentiellement aérodynamique, auront disparu sur la R3. Et que le fait de pouvoir dorénavant bénéficier d'une soufflerie à Bicester, alors que l'écurie travaille jusqu'à présent avec Swift, permettra d'apporter des évolutions plus rapidement en cours de saison. Lauda seul maître à bord, ce sont également les problèmes d'organisation des années passées qui devraient ne plus exister. Pas vraiment. Pas vraiment. Alors après, c'est vrai que le côté aérodynamique, c'est vrai que la version de 2003 et 2004 de la Jaguar vont vraiment être une grosse évolution. Jusqu'à ce que bah, Ford décide de dire merde en gros et que le budget soit réduit. C'est-à-dire qu'en fait au moment où Jaguar a commencé à émerger un peu plus, eh ben l'équipe avait plus d'argent. Voilà. Et il y a Mark Webber qui va arriver d'ailleurs en 2003 qui va aider aussi un petit peu. Et là on a quelqu'un que vous avez connu. Regardez là, c'est André Lotterer, celui qui a roulé chez Caterham à Spa en 2014. En remplacement de... C'était pas Ericsson. C'était un remplacement de qui, je sais même plus. De Kobayashi, je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour les plus et les moins? Gros moyens techniques et financiers dans les plus. Connivence avec le motoriste Cosworth. Ça, c'est vrai. Patron Lauda et pilote Irvine expérimenté. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Incertitude du potentiel de la Jaguar R3. Ça, c'est vrai aussi, puisque, comme je vous dis, ça va pas être une saison agréable. Problème interne lié au départ du directeur technique Steve Nichols. Ok. Et ben voilà, on fait un peu le tour de l'équipe d'équipe Jaguar. Kim Jaguar, donc... qu'est-ce qu'ils disent en bas? Sans oublier que Jaguar se devra impérativement cette saison de mieux figurer que l'écurie cliente Arrows, à laquelle désormais Ford fournit également son moteur, mais de cela Lauda ne doute aucunement. Si Arrows avait fini, bon après comme on dit avec des si on coupe du bois, mais si Arrows avait réussi à tenir la saison, la Rose était mieux que la Jaguar, hein, donc c'était même ça c'était pas certain. Et bien on arrive justement chez Arrows, regardez-moi cette Arrows quoi, franchement, elle est pas trop belle quoi, moi je la trouve magnifique comme F1. Alors chez Arrows on a qui? On a Enrique Bernoldi, que voici là, qui est noté d'un 3 sur 6. Alors, il a déjà une saison dans les pattes, hein, puisqu'il a fait la saison 2001, où il a marqué aucun point, alors que Verstappen avait marqué des points. Et ensuite, on a Ensaral Frenzen, qui donc, après avoir fait une pige chez Prost Grand Prix en fin de saison, en remplacement d'Alesi,
se retrouve chez Arrows. On a toujours Tom Walkinshaw, on a Mike Hogan et Michael Ansley Colishaw. Ils aimaient les choux à la fin, je sais pas comment ça se prononce. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent ? L'équipe Arrows va entamer un nouveau cycle de son histoire en F1. Un de plus pour cette écurie qui aborde sa 24e saison à ce niveau, mais qui éprouve une difficulté certaine à fidéliser un partenaire moteur. Donc là, ils vont prendre le Ford Cosworth, c'est ce qu'on a eu juste avant. À moins que Tom Walkinshaw ne se complète dans cette situation délicate à gérer d'une année sur l'autre. Au cours de ces 5 dernières saisons, Arrows aura connu 4 V10 différents. Donc Brian Hart. Après c'était le Supertech, après c'était le V10 Asiatech, donc c'est un moteur Peugeot. Mais cette association n'a pas fait long feu et Tom Walkinshaw a répondu favorablement à Cosworth quand il a été question l'été dernier de la fourniture payante d'un V10 à une écurie cliente aux côtés de Jaguar. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils disent autant dire que dans les locaux de Leafield, Mike Hogan, le directeur technique d'Arrows, et ses hommes ont l'habitude de tout remettre à plat d'une saison sur l'autre quand il s'agit de dessiner une nouvelle monoplace. Reste que ce n'est pas non plus la meilleure manière de stabiliser un team et d'entreprendre un programme de développement à long terme. Fatalement, les résultats s'en ressentent et il faut cultiver au plus haut degré ce fameux fighting spirit qui, fort heureusement, ne semble pas faire défaut à Tom et à ses hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils disent à la fin ? Bon, je suis vraiment intéressé, je suis désolé, je vais tout vous lire quasiment. Quoi qu'il en soit, Arrows est toujours fidèle au poste et Tom Walkinshaw s'est même offert le luxe d'enrôler aux côtés de Bernoldi un top driver en la personne de Hans-Harald Frentzen. Maintenant, l'espoir pour Arrows serait de conserver le V10 Cosworth pour l'année 2003. Je terminerai la phrase en l'espoir pour Arrows serait surtout de terminer la saison puisque malheureusement ils vont pas la finir. Et ce dont le magazine ne parle pas pour le moment, c'est des déboires financiers que Tom Walkinshaw avec tous les investisseurs et tous ses fournisseurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans les plus et les moins ? On tourne un petit peu. Le satellite d'un puissant groupe industriel. Alors, quand il dit satellite d'un puissant, j'imagine que c'est Orange, hein, puisqu'on appelait l'écurie Orange Rose. Moteur Ford Cosworth usine, donc ça c'est bien. Et l'arrivée d'un Sarah Frenzel. C'est vrai que ça va un petit peu. Ça permettra d'avoir au moins un pilote sur deux qui est bon. Budget étriqué, réputation de fiabilité douteuse et appartient à une race en voie d'extinction. Oui, Fighting Spirit, c'est les artisans, hein, concrètement. Et du coup, oui, donc pour finir avec Arrows, ils vont pas finir la saison, ils vont faire une moitié de saison à peine et après ils vont déposer le bilan. On arrive à Minardi, qui est toute vêtue de noir. Hein, et, alors c'était souvent le cas sur les livres. En général, Minardi, on ne voyait jamais la livrée avant le début de saison. Tout simplement parce qu'elle n'était jamais arrivée à temps. On n'était même pas sûr que l'équipe puisse participer au Grand Prix de Melbourne. C'était une autre époque. Et donc, on a qui ? On a Alex Young, qui a fait 3 Grands Prix en 2001, mais qui, du coup, a été reconduit pour une saison full en 2002. Attention, on spoil à nouveau. Il ne finira pas la saison. Et donc, il est un pilote malaisien. Il sera aux côtés de Mark Webber, un nouveau pilote que vous connaissez très bien si vous suivez la F1 depuis quelques temps. Et donc, qu'est-ce qu'on dit de Minardi ? Donc, toujours, c'est Paul Stoddart qui avait récupéré l'équipe en 2001 avec sa compagnie aérienne européenne. Et on a Gabriel Terozzi, directeur technique, et John Walton, directeur sportif. Voiture motorisée par un Asiatech V10, donc ex-Peugeot, qui appartenait déjà à Arrows en 2001 et qui appartenait donc à Prost en 2001. La F1 justifie les moyens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant ? Elle va s'attaquer à cette 18e saison à ce niveau. Ce n'est pas là le moindre de ses mérites, tant elle sut surmonter toutes les difficultés, essentiellement financières, mais en même temps, F1, c'est le premier plan, qui ont jalonné son parcours depuis le Grand Prix du Brésil 1985. Donc, ils disent que l'an passé, l'équipe a été reprise et dirigée par Paul Stoddart, ce que je vous ai dit juste avant. Elle n'a jamais bénéficié de l'appui d'un constructeur et a dû le plus souvent composer avec des moteurs d'ancienne génération et se contenter de pilotes payants. Et c'est là où Minardi, pour moi, c'est des génies. C'est qu'à chaque fois, ils sont toujours là. Ils ont une voiture qui est lente, qu'ils n'ont aucune chance. Ils pourraient faire une voiture magnifique. Tant qu'ils n'ont pas le reste derrière, ils ne pourront rien faire. Mais ils sont encore là. Pour encore 3 ans, hein, parce que l'équipe va arrêter en 2005.
Alors, en 2001, European Minardi a vécu une saison ni plus ni moins difficile que les précédentes, avec notamment un jeune pilote plein d'avenir en la toute personne de Fernando Alonso, qui, je vous rappelle, en 2001, pilote d'essai chez Renault. Mais surtout, Stoddart a mis à profit cette année 2001 pour préparer l'avenir. Il s'est rapproché d'un groupe d'investisseurs malaisiens en même temps, et cet apport de capitaux a eu l'effet de propulser un F1 en pilote en... de propulser en F1 un pilote de Malaisie. Alex Young, qui est un pilote qui sera pas du tout bon, ce sera le plus mauvais, c'est un Mats Häkkinen en puissance en fait, Alex Young. D'ailleurs, il va avoir plusieurs non-qualifications en 2002. Du coup, ça leur a permis d'offrir à Minardi un moteur de génération plus récente avec le V10 Asiatec, qui est une émanation du V10 Peugeot. Le problème, c'est que pour Minardi, l'été dernier, pardon, ils ont perdu Gustav Brunner, qui n'a pu résister à une offre alléchante de provenance de Toyota. Alors, une fois de plus, s'inquiétera-t-on ici et là du sort précaire de l'écurie italienne qui a toujours su faire front face aux difficultés? Alors, qu'est-ce qu'ils disent en plus et moins? On va voir. Est-ce qu'ils ont vu juste dans cette saison 2002? Retour salutaire d'un souffle nouveau, certes. Moteur gratuit et budget en hausse. Ça, c'est. Oui, c'est un bon point en plus hein, pour eux. Gros recrutement. Bigeois, Ritten, Wheeler, etc. Et oui, Bigeois, il était chez Prost, il me semble. Budget encore limité. Donc, il a augmenté, mais il est toujours limité. Départ de son ancien directeur technique, Gustav Brunner. Et où en est le développement du V10 Asiatec? Au point mort. Alors, on va maintenant se retrouver avec la dernière équipe qui est donc Toyota, la nouvelle écurie de Formule 1. Plein d'espoir hein, de cette équipe hein, qui 7 ans plus tard n'aura rien gagné et sera juste parti de la queue entre les jambes. Même si malheureusement leur bonne saison s'est arrêtée 2009. Merci la crise. On a Mika Salo qui fait une pige chez eux, donc 4 sur 6. J'ai pas trop regardé les étoiles. On va regarder combien il a mis à Young 2. Et Mark Webber 3, s'ils avaient su. Et Alan McNish, voilà, de retour en. Pas de retour, mais qui débute en Formule 1. Alors, ce qui est assez marrant avec Alan McNish, vous allez voir, donc il est né en 69. Donc, il a. Il a quel âge? Il a quel âge? Et ce pilote-là, McNish, pilote SR Toyota, il a fini premier aux 24 heures du Mans. Il a fait la F3000 en 92-93, donc en fait c'est 10 ans plus tard quasiment. Pilote SR Benetton F1 en 95. Oui, donc c'est un pilote qui a pas mal d'expérience, mais voilà, qui n'a pas vraiment excellé en Formule 1. Alors, donc, les hommes. Ove Andersson, qui est le président de Toyota Motorsport, en tout cas en 2002. On a Gustav Brunner, on l'a dit, Kiki Minardi pour aller chez Toyota. Et Ange Pasquali, directeur sportif. Lui, je m'en souviens, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et on a Ryan Briscoe, pilote essayeur. Alors, ils disent qu'il y a un engagement sur 10 ans. Alors, attendez. 10 ans. 2002 plus 10, ça fait quand? Ça fait 2012. Ils sont pas arrivés jusqu'en 2012, hein, Toyota. Donc, l'engagement, là, ils se sont trompés. Gustav Brunner, d'accord, et moyen peu ordinaire, effectivement, c'est les moyens d'un constructeur. Donc, à l'époque, c'était vraiment la grosse cote, hein, Toyota. Bon, on sait que ça va être une année d'apprentissage, mais on imaginait dans les 3-4 ans suivants qu'ils allaient pouvoir commencer à aller taper les McLaren, les Williams et les Ferrari. Non. Débuter avec moteur et châssis, quel culot. J'ai envie de dire, c'est le minimum, hein, puisque Toyota fait des moteurs. C'est un gros constructeur, ils ont l'argent. Si on veut gagner, il faut avoir un moteur avec nous. On aura des Mercedes, hein. Donc non, c'est plutôt bien. Je ne mettrai pas ça en moins, hein. Je mettrai ça en neutre, en fait. Performance loin du compte. Potentiel des pilotes. Alors attendez, performance loin du compte, moi je veux bien, mais ils n'ont rien fait en 2001, ils n'ont été pas en Formule 1 en 2001, donc comment ils peuvent savoir que les performances sont loin du compte? Alors certes, ils ont raison, puisque l'année 2002 serait une saison très très moyenne, ils vont marquer 2 points, je crois. Mais la voiture était pas trop trop mal, hein. C'était une voiture qui s'était mise dans le milieu ventre mou en fait du peloton. Et le potentiel des pilotes. Alors ça effectivement, bon, Mika Salo il est un peu en fin de carrière et Alain McNish il est déjà en fin de carrière au moment où il commence. Mais il savait très bien qu'il allait avoir qu'une pige que pour un an, puisque l'année suivante on avait D'Amata et Panis qui allaient prendre le relais.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent intéressant? 450 millions d'euros depuis le lancement du programme F1 et 250 millions dans l'usine même. Surface utile quasiment doublée, idem pour les effectifs passés de 250 à 550 personnes. Et on dit que maintenant, Ferrari et tout, avec 600 personnes, c'est énorme. Mais 2002, hein, déjà 550 personnes. Alors, citons l'Autrichien Günther Brunner, l'un des plus brillants ingénieurs F1, ex-ATS, Arrows, Alfa Romeo Racing, Leighton House, Ferrari et Minardi. Luca Marmonori, ex-Ferrari, concepteur d'un V12 mort-né en raison du changement de réglementation FIA et des premiers V10, en charge du projet moteur. Le moteur Toyota était pas si mal en 2002, et le moteur Toyota sera un bon moteur en fait sur la durée. Ils vont même plus tard motoriser Williams. Alors. À la TF101, due au crayon d'André de Cortanze, qui était le monoplace de développement, 21 000 km d'essais privés parcourus, a succédé la TF02, off cette fois-ci de Günther Brunner, son successeur. La monoplace est simple et fine, fidèle au style de l'Autrichien, qui a bénéficié de moyens financiers auxquels il n'était pas habitué, c'est clair, ça a dû lui faire tout drôle. Quant au V10, il tourne depuis décembre 2000 à son potentiel qui devait être revu à la hausse après quelques grands prix. Quoi qu'il en soit, cette première saison sera celle de l'apprentissage du rodage, mais également de certaines recherches de crédibilité. On va dire que le pari est plutôt réussi pour la saison 2002, ils ont fait une saison plutôt correcte. Par contre, 2003, ils ont fait un peu mieux, donc c'est une équipe qui suivait un peu les traces en fait de Renault, sauf que Renault va réussir complètement à partir de 2003, 2004, 2005, 2006, alors que Toyota, saison 2005, ça aurait été une bonne saison. Et 2009, mais entre les deux, ça aurait été moyen. Des fois, des coups, ils ont eu quelques podiums, mais c'est tout. Alors, hein, qu'est-ce qu'ils disent ensuite? Quel V pour la victoire? On a encore des chaînes temps mobiles avec des big logos. Oh là, mon dieu, en plus, c'est carrément des boobs, quoi. Et ça y est, on va se faire striker. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Durant la saison 2001, les Benetton ont semblé à la peine avec leur moteur Renault RS21 grand angle, mais l'innovation a un prix. Et bah tant mieux qu'ils aient fait ça. Et voilà, Berry centre ABC, temps gagné. C'est pour ça, justement, vous voyez en bas, on a un petit schéma. Avec les moteurs donc à 72 degrés là, on a un moteur à 90 degrés ici, un moteur à 94 et un moteur à 111 degrés, donc qui correspond au Renault. Donc oui, ce moteur va bien évoluer, il va être un très très bon moteur ensuite, mais il va être abandonné. Je crois qu'il va être abandonné en 2006 ou 2007, si je ne dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Ouais, rien du tout. Bon, ça, c'est les avis des pilotes des Maotai SNBM et Toyota. Carburant et lubrifiant F1. L'optimisation des fluides permet de gagner 10 dixièmes. Ben oui, on est toujours là-dedans actuellement, hein, quand on voit Ferrari et Mercedes qui utilisent de l'huile, j'ai envie de te dire, dans le moteur pour augmenter les performances, ça n'a jamais été aussi vrai. Et ça, c'est totalement à l'ancienne, hein, parce que Elf n'existe plus, enfin sous ce format-là. Et on a donc la saison 2002 avec les circuits, donc on commençait toujours en Australie, jusque-là rien d'extraordinaire. Par contre, ils disent pas les horaires, mais bon, c'était encore l'époque où le Grand Prix d'Australie était à 2 h, donc en fait, pour les Européens, enfin en tout cas pour la partie France, Belgique, Suisse, etc., c'était ouais, des Grands Prix à 4 h du matin. Et d'ailleurs, c'était trop bien. Enfin, moi, j'adore cette période, 4 h du matin, se lever, découvrir les F1 en vrai, à Melbourne à 4 h du matin, dans le calme, la sérénité, c'était génial. Alors, ensuite, on avait la Malaisie que l'on a là. En troisième, on avait quoi? On avait le Brésil. Alors j'essaie d'aller un peu vite parce que si on est déjà à 54 minutes. On avait Saint-Marin qui a disparu après 2006. Avec la chicane, alors vous n'allez pas forcément le voir, quoique je peux mettre mon doigt, mais la chicane de fin qui a disparu maintenant. Hein. Elle a été coupée, ce qui fait qu'on avait vraiment une grande ligne droite à Saint-Marin. Enfin, une grande ligne droite. Ça reste moins grand qu'à l'époque où il y avait le tamburello sans la chicane. Mais plus grande qu'en 2002 en tout cas. Alors là, c'est Panis évidemment qui nous parle effectivement de chaque circuit.
J'adore ce pays, voilà, en parlant du Brésil. Saint-Marin, le circuit d'Imola pourrait être le plus beau circuit du monde et m'offrir tout ce que je réclame. Pour l'unique raison que j'y ai vécu le plus sale jour de ma vie, le 1er 1994, je lui en veux d'avoir tué Ayrton Senna et tout autant Ratzenberger la veille. Sur un plan strictement sportif, j'y réalise pourtant de bonnes performances, mais j'y vais chaque année à reculons, c'est incontrôlable. Oui, ça se défend. Ça se défend. Alors Monaco, évidemment, puisque c'est sa seule victoire à Panis en 96, dans une course que vous avez toujours en entier sur YouTube. Cette course ne se fera jamais striker. Elle est encore disponible dans quatre versions différentes, mais vous pouvez la revoir normalement. On avait le Canada. Le Grand Prix d'Europe qui se déroulait donc en Nürburgring. La Grande-Bretagne au milieu. Bon, ben, jusque-là, rien d'extraordinaire. Le Grand Prix de France, voilà, en 2002 à Monaco. L'Allemagne sur le. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais en 2002, on arrive sur le circuit tronqué d'Allemagne. Alors, je ne sais pas s'il va en parler. Tout, 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 tout. J'aime le circuit de Canheim car j'y ai souvent bien marché. Aussi, je m'y rends avec un certain plaisir. Je trouve l'ambiance de Canheim différente, plus légère. Est-ce la disposition du paddock, la concentration des spectateurs dans le stadium? Ouais, il parle pas du changement, mais c'est vrai que ce circuit, voilà, est complètement tronqué, alors qu'avant il faisait tout ça. Et on avait des vitesses de pointe assez énormes avec deux chicanes là. Enfin, moi je préférais le circuit avant en tout cas que la version depuis 2002. Donc on a la Hongrie là, on a le Grand Prix de Belgique ensuite. L'Italie, manche 15. Et donc ses circuits préférés, c'est Canada, France, Monaco, Australie, Italie et Japon. Voilà. Si vous aimez Panis, ben écoutez, vous savez quel circuit il aime. Celui des États-Unis, version 2002. Et enfin, le dernier circuit de la saison, si je ne me trompe pas, au Japon, et seulement 17 courses. Alors ça aussi, ça a bien changé. Hein. Maintenant, on est à 19 à 21 courses. Avant, on était à 17 circuits. Et c'était pas plus mal. C'était pas plus mal, sachant qu'en plus, à l'époque, ils pouvaient faire des essais entre les courses tranquillement. Donc, il y avait des nouveautés qui apparaissaient. Et donc, les hiérarchies pouvaient un petit peu évoluer au fil de la saison. Alors que maintenant, c'est quasiment totalement bloqué, totalement verrouillé. La formule en chiffres, bon, je vais vous épargner ça parce que c'est que des chiffres, des chiffres, des chiffres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, c'était pas très pris parcouru, avec 256 courses. Et Berger, deuxième. Quand on parle des points, c'était Schumacher déjà. Alors, encore en ancien barème, en 2002. Hein, c'est les 6 premiers qui marquent des points. Donc même plus qu'ancien, puisqu'entre-temps on est passé en 2003 au 8 premier. C'est Schumacher qui a 801 points, Alain Prost 798 points, Ayrton Senna 3e, Piquet et Mansell avec 614, 485, 482 points. Les pole positions, c'est Senna avec 65 poles, Schumacher en avait 43, Jim Clark 33, Prost 33 et Nigel Mansell 32. Et au niveau des victoires, Schumacher à ce moment-là avait que 53 victoires, quand on pense qu'il en a 91 après. Heureusement que la saison 2002 est là et 2004. Alain Prost, 51 victoires. Ayrton Senna, 4e avec 41 victoires. Mansell, 31. Et Jackie Stewart, 27. On a les rois du podium. C'était Prost avec 110 podiums qui va se battre par Schumacher après. On avait déjà Schumacher en tête des meilleurs tours en course. Alors, Jo Ramirez, l'homme qui murmurait à l'oreille des champions. Alors, vous n'allez pas voir tout entier. Voilà, mécanicien, confident des grands pilotes. On va passer un petit peu. On va les raconter de là-bas. Donc, on a Senna. Oui, donc en fait, c'est tout ce qu'il a pu vivre au retour des pilotes. Et là, on part. On n'est plus avec la F1. Alors, ça y est. On a une Lion Cupra R. Bah, du coup, c'est parfait. On a quasiment une heure. Ça fait désordre. Lors des départs, depuis le début de l'année, les 15 premiers d'une épreuve mondiale s'élancent à l'assaut des deuxième et troisième étapes dans l'ordre inverse du classement établi la veille au soir, mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Je vois Mitsubishi, je suis déjà nostalgique, 2002, donc là on est encore au WRC. Warm-up Kart 2002, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous voulez acheter des voitures, bah c'était là. Il y en a toujours, hein, sur le top 2, il y a toujours eu ça. Et je pense que bah, on est arrivé à la fin. Donc voilà. Bah écoutez, si vous voulez acheter des téléphones, c'est maintenant. En plus, il y a une Skoda Octavia en WRC là. Sinon, vous pouvez acheter des téléphones avec le pack perso SFR. Mon Dieu, avec les vieux téléphones. Bon, voilà, écoutez, c'était le bilan, enfin le guide de la saison F1 2002. Si ça vous plaît, on fera la saison peut-être 2003 ou 2001.
tout cas, c'était un plaisir, même si c'était peut-être un peu long, que je parle beaucoup, à faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce qui allait, ce qui allait pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.